Yo YouTube, on continue l'aventure, le voyage infini avec notre train en compagnie de Sony B, Fufu et Furious. Et on va tout de suite faire une prophétie à la gare, voir ce que ça donne. C'est là-bas, ok, c'est là-bas, direct, ok. Vous avez déjà quand même looté, vous avez fait déglinguer les mobs là à côté? Non, on attendait pour ça. T'attendais. Il y a juste le meuble là-bas, enfin le. La peluche. La peluche, le Teletubbies. Ouais, Teletubbies. Alors, viens voir ce qu'il y a. Oh, j'aime pas ces machines-là, moi. Ouais, moi aussi, j'avais vu un film là-dessus. Où... Je peux le faire, moi, si vous voulez. Vas-y, vas-y, vas-y. Il exaucerait tes souhaits, normalement. Mais c'est toujours mal. Si je l'en crois la note, cette machine est cassée. Examiner l'atelier. Ok. Je sais pas si j'ai plus peur de la machine ou de Fufu en fait. Chaque fois qu'il se retourne, ça me fait bizarre. Eh, il y a plein de trucs là. Mais examiner le. L'atelier est où l'atelier? Là. Là, on peut passer là. On peut repasser ici. On n'a pas le choix, faut passer là. Ah, c'est là-bas l'atelier. Mais arrêtez de passer dans tous les sens, moi je comprends plus rien. Y'a des mines là où je suis. Là y'a rien de plus, y'a rien de plus. Je suis full en mine donc Ah, t'es passé où Fufu là? Je sais pas. Après, je suis à l'extérieur. Faut suivre le A hein. Généralement. T'es à l'extérieur? Ah ouais, t'es ressorti, ok. Oui, je suis là. Et j'ai ouvert une porte là. Ouais, en fait, Fufu il joue depuis peu et puis il sait déjà où aller en fait. Là, il y a une note là, si tu veux, j'ai là. Ah, bah, j'ai carrément pris la taille de la table de Ouija. Oh putain. Et j'ai ouvert la porte ici. Ouais. Elle est là en face. Installer le piédestal à bord du train. J. Là. Attends, parce que je suis Fufu, mais t'es où Sonim? Oui. Regarde. Ça là. Qu'est-ce qu'il va me sortir comme connerie? Regarde bien ça. Oui. Oui, ça c'est sur le train après. C'est ça, c'est ce qui m'a spoil le truc du chargement. Attends, par contre, moi je veux embarquer la chaise là dans le train. On peut la prendre? Oh, on peut la prendre, ouais. Attends, ok. Ah, c'est bon, ça me saoule. Mais je vois pas de chaise moi. Ah bah moi je la vois. D'accord, ok. Ouais, level 15, yop, ouais. What, ça se met là, mais quoi? Mais c'est quoi ça? Oh. Il manque quelque chose encore. Ok. D'accord, c'est un. Ouais. Faut que je revienne là. Ah, ouais, maintenant on a réparé la machine? Attends, fais voir. Ouais, mais faut suivre le fil, d'accord. Bah oui. D'accord, ok. Bah oui. Place, je suis électricien. Ouais, d'accord, bah ouais. Là, c'est fermé. Ouais, mais c'est passe par là. Non, le fil, il est là. Ah. Ah, attends. Laisse-lui faire si c'est ça. Vas-y, fais réparer, Fufu, t'es où? Vas-y, fais réparer, tu vas voir l'animation. Voilà, regarde bien. Voilà comment tu répares. Ah, bah c'est bien ça. J'aime bien. Quand ça marche pas, toujours taper dessus. Tu m'étonnes. Ah, par contre, ça sert à rien de te mettre le fusil dans l'oreille. Hein. Et comment il le regarde, regarde. What? Oula, oui, waouh. Ah ouais, il le met dans le mur et ça va dans le trou. Ok. C'est une façon de voir les choses. T'as un sacré gros boule, hein, quand même, Sonim. Ouais, je sais, on le dit souvent. Bon, on va qu'on pense à revenir là après pour les pièces. Attention, interagir. Oula. Attendez, je suis pas là. Ah merde, désolé. Here's the thing. Normally, I'd understand at least something. But now, je suis ma voix si t'es perdu. Ah mais c'est pas grave, j'ai les paroles. Enfin, réparer la machine encore. Ah, attention, coup de marteau. Ça fait flipper la machine. Ah non, petite calotte. Ah, coup de pied. Bien, ça. Même pas un marteau. Prophétie, ok. Avant de mettre ça sur la table là, je suis d'avis qu'on prenne les jeteux. Je sais plus où je les ai mis.
Attends, mais de toute façon, je pense que vu qu'il y a les mobs là-bas, on risque d'avoir d'autres jetons. Ouais, c'est pas faux. Ok, t'as raison. Moi, ouais, j'ai joué mon jeton que j'avais. J'ai rapporté 3 chutes de fer. Ok. Faut mieux faire. Oui. Comme hier. Je vais mettre la pièce là. Ah, mais même là, c'est blindé. Je vais mettre la pièce là. Je vais mettre la statue dans le coffre. J'aime bien le insérer la prophétie ou pas. Non, rien. Je le dirai pas. Oui, tu voulais l'insérer quelque part d'autre, j'ai compris. Non, c'est pas ça du tout. C'est que j'ai mis l'œuf dans la machine. Et le petit truc qui est sorti, mais avec ses petits croix, on dirait qu'il a des caches-tétons, machin. Ah, c'est oui. Trop bizarre. Ouais, truc de cuisine. Ouais. Ouais. Ouais, on va pas le prendre. Bon, allez, on va leur péter la gueule. C'est parti. Tiens, j'attends, je vais prendre le coffre en même temps. Comme ça, vous en profitez pour les défoncer. Mais oui, sinon, Yop, c'est le bâtiment principal qu'il faut upgrade niveau 15. Ah merde, ça c'est Fufu, je tire sur Fufu avec sa tête de coupe au bol, je crois qu'il avait un casque. Ah, oh putain, mais lui il a des balles téléguidées, c'est pas possible. Oui, et c'est ce qu'ils ont, oui. Bon, wow, bien joué. Confort, je dis. Ça met bien sur les cadavres pour essayer de récupérer. Oh, je suis full moi, y'a un truc à récupérer. Oh, la grue qui m'a tué. Ah non, c'est moi qui t'ai tué avec l'extincteur, bah chais. Pourquoi? Bah parce que en fait à la base c'est pas toi que je voulais tuer, c'était le mec à côté. Et ça t'a tué, t'es tombé comme une merde. Moi je t'ai jamais fait un truc comme ça, c'est pas cool. Pardon? Non, jamais, j'aurais jamais osé. Excusez-moi, pousse, je récupère mes armes, pousse. C'est moi. C'est bon, on peut repartir. Vas-y, je sors le pompe, ils m'ont saoulé là. T'as bossé tout près sur les cadavres. Bah ouais, la base hein. Je vais retourner au train. Ok. C'est fou. Il y a du monde hein. Ah, y a du monde, oui, mais je les vois pas. Non, fous ma gueule. Par contre, j'ai failli sauter dans le vide, faites gaffe, faites pas comme moi. Et tu crains rien, hein? Jamais. Là, ils viennent d'apparaître devant ma gueule en fait. Oh, il y a le gros. Je vais mourir, mais j'ai plus de PV. Et voilà, je suis mort. Ok, le gros, il est mort. Bah, face au gros, je pouvais pas faire grand chose. Elle est trop bien cette arme, elle est trop bien, j'adore. Attends quoi? Ah merde, elle s'est enrayée. Karma. Elle est trop bien, les balles à tête chercheuse, elles continuent tant qu'elles ont pas trouvé la cible. Vas-y, je suis au point. Il récupère ton cadavre. Il est là. Derrière toi. Ah oui, c'est vrai, j'ai contre l'humain. Voilà, normalement tout le monde il est mort. Du coup, Vivu, c'est bon, t'es revenu? Non, pas encore. Toi. Moi, je suis full, hein, je peux pas. Pas tarder. De finir. Ah, j'ai une nouvelle arme. Encore? Pain Crusher. C'est vrai. Écoute. On te laissera récupérer tout, Fufu, si on n'a pas pu tout prendre. Ouais. Because I'm full. Oh, c'est un pompe, mon pote. Comment il fait mal? Enfin, comment il a l'air de faire mal? C'est pour moi alors. Je veux pas savoir.
Si mon coffre à moi. Mon pompe à moi. Bah si tu veux hein. Ouais bon bah je peux pas. Je peux plus rien prendre. Moi non plus. Bah, je dis moi non plus, j'ai ramassé le truc derrière. J'arrive. On est là. Tout à fond. Oh le pompe là, celui-là. Tu vas l'aimer Dieu. Tu vois la gueule qu'il a. Ah mais c'est parce que c'est la poignée de devant aussi. En fait les pompes c'est ça, je crois que c'est quand t'as une poignée verticale dessus. Je pense. Alors est-ce qu'il y a encore des trucs à récolter là? Ouais là ici Fufu. Il y a une pibelle. Oh, ouais, comment il triche, comment il triche, il fait le funambuliste. Ouais. Là ici en bas t'as du matos aussi. Là sur moi aussi. T'es où? Là. Oh tu cliques une fois, il tire deux coups. T'es où Ah c'est là. Tu vas le kiffer, je te dis, DJ. Oh ouais, j'ai compris, j'ai entendu. Youhou, je sais pas si on a tout pris là, je pense que oui. Bonne nuit Armelou, merci d'être passé. Bonne nuit Armelou. Bon week-end. Bonne nuit. Direct, je vais le mettre dans le coffre. Direct, DJ va le prendre. Je vois pas de quoi tu parles. Alors déjà faut trouver de la place. Allô. Bonjour. Je voudrais de la place s'il vous plaît. T'as de la place l'autre côté. Rappelle-toi, arme, coffre bleu turquoise. Non, bleu turquoise, bleu turquoise, bleu turquoise. Ah non, je peux pas le poser. Il faut 3 slots et il y en a que 2. C'est plein déjà. Eh non mais attends. Là-dedans. Bah alors mets-le. Là ici dans... dans mon cul. Oui voilà, je voulais dire ça et ouais. Ici là, coffre du bas, des nouveaux coffres à gauche. Ah va vraiment falloir qu'on prenne le temps de vraiment se faire nos armes le plus possible, le plus poussé possible et limite tous les modes gris on les dégage par exemple. Ah bah il y avait de la place ici tiens tu vois, bon bah. Il reste encore un peu de place pour les modes d'armes si jamais. Ouais, et bah moi je viens de changer un truc sur mon arme et ça a l'air de bien passer. Maintenant elle ressemble vraiment à une grosse AK. Grosse caca. Ouais. Vous avez eu des pièces, des jetons là? Non. Non. Bon bah moi je vais aller prendre, j'en ai deux, je vais aller voir si j'ai de la chance. Allez, c'est parti. Ah, j'ai une pièce, si. Les j'ai gars. J'avais point vu, oui, dis-moi. J'ai eu les 3 petites bébêtes. Ils m'ont filé une prophétie. Ouais. Oh, ok, je viens de lire un truc. Oh non, bah ça va être une dinguerie, les prophéties. Oh, mais j'ai eu trop de luck, j'ai eu les trois trèfles à 4 feuilles. Bah, je vais te donner mon jeton. Hein bah, il m'a dit qu'il en avait pas et maintenant il. Bah, non, mais j'ai mal regardé dans mon inventaire, tu me connais. Comme mon inventaire était pas rangé, comme je suis. Bah, viens, je t'attends, moi c'est. J'ai eu 2 luck et j'ai eu 3 fois la même chose. Hein. Tiens des. Merci. Allez, encore de la luck. Une grenade. De la merde. Oh, il y avait une tête de mort, j'ai commencé à ouais, flipper. Ouais, moi aussi, mais. Non. Bon, alors, vous vous rappelez la petite table qu'on a posée à la table Ouija, là, comme j'aime bien l'appeler, alors que c'est pas ça. Oui. Quand j'ai réparé la machine, vous avez vu ce qui est tombé ou pas? Non. Ce qui est sorti de la machine. J'ai pas vu. Non. Une non. Genre de statue, ok? Ouais. Cette statue-là. Alors. Ok, alors la prophétie, c'est un item qu'on doit poser là pour la quête, et à mon avis, c'est, ça fonctionne que pour une run. Ça nous rajoute des malus. Ouais. Celui qu'on a droppé dans la machine, ça fait appât à sensu, fréquence des sensu plus 15%. Et celui que j'ai eu grâce aux 3 petites bébêtes sur la machine à sous,
c'est nombre de requins dans le néant plus 1. Ok. Donc c'est bien des requins du coup, comment ça s'appelle. Et ça veut dire qu'on peut en avoir 2 sur la gueule au lieu de 1. Ouh, c'est bon ça. Donc à vous, vous choisissez, est-ce qu'on fait plus 15% de sensu ou... Ah mais non, mais en fait on peut en mettre 3. Ok, j'ai mis les deux. J'ai mis les deux, les potes. Hein. Plus de bois dans le néant x1, plus d'agent chimique dans le néant x1. Oui, mais au final, ça change rien. On va tous mûrir. Bah là, à mon avis, ouais, on va prendre tarif. Avant d'y aller, je serais d'avis de checker les armements qu'on a. Donc, l'histoire du pompe fait donc moi voir solo. Je récupère. Est-ce que ça vaut le coup la différence? Attends, je sais ce que je vais faire. Attends, déjà, je vais tester voir ce qu'elle a dans le ventre. Ouais. Du coup, si je fais modifier celle-ci et que je retire tout. Voilà. Maintenant, je mets la mienne. Est-ce que je peux la rendre plus pétée, plus mieux bien? Portée, ok. J. Non. Oh, ça je le mets sans aucune hésitation. Ouais. Ouais, pour la stabilité pour un pompe, on s'en fout un peu, franchement. Viseur plus 1% de précision. Enfin, plus 1 de précision. Je vais garder de côté le viseur, parce qu'on n'en a pas à part en fait. Enfin, je crois qu'on n'en a pas à part. De 9, de 10, de 14. Je vais voir si je peux pas faire quelque chose avec ça. De 12. Ouais. Ah, là je peux ranger des trucs, c'est cool. De 15. Je vais tester. Là, à mon avis, je suis en train de créer un pompe pas mal pété quand même. Ouais, vitesse de rechargement bof. Ouais, je vais quand même le mettre, mais... Et j'ai pris quoi d'autre avec moi? Ah oui, c'était l'autre chargeur, mais du coup, ça sert à rien. Ok, ouais... Oui, attendez, j'ai pas fini. Vas-y, patientez s'il vous plaît. Ah si, mais y'a plus de place, j'en peux plus. C'est compliqué de savoir quel mode d'arme peut aller sur le pompe en fait. Je vais tester toutes les poignées qu'on a là, voir. Les gamins. Ils sont en train de bouffer toutes leurs munitions, les Gaulmont. Ouais, non, mais non. C'est le pistolet. Ah, c'est le pistolet, ok, bah vous êtes comme des Gaulmont. Au revoir. Ou comme ça, j'ai envie. On s'amuse. Oui. Au lieu de crafter des trucs importants, ils passent leur temps à se tirer dessus, c'est mon Golito. Putain. Des gamins jouent avec des putains de gamins. On a les amis qu'on mérite. Ah, je sais pas. Je sais pas si je vous mérite. Bah, si, quand même. Ouais, bah, je pense pas que je puisse faire mieux actuellement. J'ai 166 de dégâts avec le pompe actuellement. Ah bah ça va, t'es là. Mais est-ce que t'as une portée suffisante? La portée...
La portée. Bah la portée c'est quoi du coup? Parce que t'as stabilité, précision. Portée, je suis con, c'est marqué. Je suis à 4,4. 4,4. Ouais. C'est à pompe, donc... Oui, mais justement, c'était le problème que t'avais la dernière fois. Tu disais, ouais, pas ouf, parce qu'il n'y a pas de portée ou autre. Ah oui, mais c'est pas grave, je l'ai fumé à bout portant sans aucun problème. Alors là... Donc, du coup, je pense que le pompe, là, il va... Le cac, là, il va faire du bien. Et le problème, c'est que les poignées, ouais, les poignées, c'est compliqué. T'en as, c'est pour le gun, d'autres, non. Ouais, bah je pense que je peux pas faire mieux. Après, si vous êtes chaud, faudra qu'on se fasse un délire de vraiment essayer, mais c'est compliqué. Faudrait, je pense, voir s'il y a un wiki. C'est compliqué le problème, ouais. C'est comme je. C'est comme de mettre les modes d'armes par type d'arme et non par genre toutes les poignées ensemble, quoi. Parce que le problème. Ah, mais attends, mais c'est un pompe, ça aussi. Ah non, c'est pas un pompe. Ouais, je comprends rien, moi, leur arme. Ouais, c'est un peu compliqué parce que de visu, t'as l'impression que c'est une AK, au final, c'est un pompe, quoi. Attends, je check s'il y a pas un. Attends, je vais me ranger sur un côté parce que je vais faire chier tout le monde et on va me gueuler dessus à. Tu fais chier là. Non, non, pas là. Et je vais regarder sur. S'il y a pas un wiki. Qu'est-ce que je voulais faire, moi, déjà? Je sais même plus. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, si. Des bandages. Bandages, les bandages, c'est où? C'est là, je crois. Ouais, c'est là. Blindage, lingot de fer, cuir, agent instable. Ok, il faut faire cuir. Elle s'appelle comment, ton arme? Oh. Attends. Elle s'appelle... Ça veut rien dire, c'est Fast Flapper, sauf que Fast Flapper... J'ai la mienne et celle que j'ai remis dans le coffre qui porte le même nom, sauf que l'un est un pompe, l'autre est une AR. Donc le nom, franchement le nom, faut pas se focus dessus. Non, parce que je la trouve pas. Non, mais c'est pas le nom qu'il faut se focus dessus, je pense. Le nom... Non, parce que j'ai tous les gun... Tu peux m'en servir, Fufu? Gun basic... Tu faisais quoi? Merci. Je vais nous faire ça, des bandages, et je vais nous faire des blindages. Comme ça, on pourra s'équiper de ça. Tiens, je te mets le wiki dans le jeu. Ouais, c'est cool, merci. Comme ça, si... On a le temps de check à un moment donné. Check this out. J'arrive même pas à faire le beatbox. J'ai la bouche qui est ankylosée. Allez, ankylosée. Toute ta tête a de sauce au moins, là. Oh, ah oui, le truc qu'il faut que tu fasses de temps en temps, Fufu, c'est de sortir le martal et de checker, tu vois, si par exemple t'as des trucs qu'il faut réparer, tu le vois au loin en fait. Genre ça par exemple. Il faut du métal, j'en ai pas, et là il va falloir du bois, je pense. Ouais. Ça, pensez à le faire souvent, les potes, vraiment, parce que. D'a rien, on peut perdre quelque chose en fait. Là, y'a rien dedans. Comme on a du sang, j'ai pas de bois. Une chose à boire. Il n'y a pas de bois. Alors du coup, t'as fait cuire de la bouffe, mais t'en as pas fait pour tout le monde. Bravo, bravo, bravo. C'est bon, j'en ai. Ah, casse. Ah, il a dit. Ah, j'aurais fait le surpris. Ah. Ah, parce qu'il faut cuisiner pour tout le monde. Ah, ou j'ai oublié. Mais comment on fait pour mettre du carburant? Carburant, c'est en haut à droite. En haut à droite. Bah ça dépend, c'est pas... Oui, pour ça, voilà, bah quand t'es dessus... Attends, quoi? Utilisable, ah, okay, objet utilisé, okay. Jiro. Oui, bah c'est vachement moi qui l'utilise. Oui, bah oui. Ok, je viens de voir. Il y a du bois, du charbon et... C'est ça. Sachant que, bien évidemment, le plus intéressant restera les blocs de charbon, briquettes, ces choses-là. Il n'y a pas ça. Non. Ah non, là on est obligé de le faire avec du bois en fait, on n'a pas le choix. Bah du coup j'avais pris de la bouffe, je te laisse le faire. Je range tout du coup.
Dans les coffres qui... Ah bah ça si, on a un charbon là, tiens, tu vois. Oh, ça était tellement... Oh, il y a trop charbon. What? Eh les potes, les charbons, faut les mettre dans le coffre de bois, hein. Tiens, attends, je peux... On avait plus de place. Je peux en mettre, hein, si jamais. Bon, on va les garder, on essaie d'en stocker un maximum, au pire, pour l'instant. J'ai bien aimé les films. Vu qu'on arrive à stocker pas mal de bois, non? Tu veux dire, ouais, tu préfères viser le charbon que le bois? Enfin, l'inverse plutôt, le bois et le charbon? Ouais, pour l'instant, et on essaye de garder un peu de charbon en... Bah, je sais pas, comme tu veux. Oui, c'est juste qu'au final... Que c'est juste qu'au bois, il faut le garder pour les marées. Après, si le charbon, il dure plus longtemps que le bois, faut voir. Oui, oui, c'est pour ça. Et puis le bois peut nous permettre de réparer le wagon, ouais, donc, ou en tout cas pour build. On va faire charbon. Ouais, ouais, vaut mieux le charbon. Vas-y, je vais les mettre. Oh, tu m'as fait rire, Fufu, avec ton excuse. On avait plus de place alors que Jay, il a annoncé au début de live, il y a un coffre vide. Tu vois, là, j'ai mis 200. Là, il y a 200 de carbu, donc je t'invite à mettre de l'eau. Tu mets la glace, tu la fais fondre et tu nous fais de l'eau, s'il te plaît. Moi, je vous ai fait du matos, les potes. De la glace. Okay, alors c'est mal. Brise la glace. C'est les blocs bleu-vert. Ça y est. Hop, hop. Alors, les gars, séparer. Ah. Bah oui, mais si je mets pas de valeur. Non. Fini pour ton quoi. BH. C'est-à-dire BH. 5. Je vous ai fait 5 plaques chacun. Ouh. Et vous aurez 5 bandages chacun. On n'a jamais mis des plaques en fait. Ah, BH, CH. Ouais, d'accord, ok. Merci pour cette précision, Yop. Très apprécié. Et moi, du coup, je me trimballe la 7 plaques et 4 bandages. Oh, je vais. Quoi? On dirait qu'il en. Alors attends, si vous parlez tous les deux en même temps, je ne peux pas comprendre. Fufu. Il faudrait faire une niche. Pour? Pour le TB là, de l'autre là. Non, on va pas le prendre. Il est pas intéressant, je trouve. Bah, c'est un chef. Ouais, mais... bof. Pas intéressant. Sonib, tu disais? Non, je rigolais au Yop, BH, on dirait qu'il est en cours de chimie. Là. Ok. On pourrait le prendre, mais... Ouais, si, oui. C'est vrai qu'en attendant. Faut voir ce qui. Bah, ce qui vaut, c'est qu'il est chef, mais c'est niveau 1, c'est tout. Ah, ouais, ça vaut pas le coup. En fait, il te réduit le. Alors, si, ça peut valoir le coup, parce qu'en fait, il a deux fois chef 1, c'est-à-dire que. Au final, il réduit le délai de préparation des cuisines de 20% au total. Ah, oh, bah, ça peut te faire un petit avantage. Ah, mais non, on peut pas. Maintenant, je dis une connerie, on peut pas. Là, actuellement, dans le train, on a le droit que à 5 maximum, et on est déjà à 5. Ah, mais... Donc c'est soit on le prend, on en vire un, soit il reste là, il se démerde et on garde les 5 autres. C'est ça le truc quoi. Moi, je dis, de toute façon, dans un team, on a déjà un chef, c'est Fufu, il fait la cuisine. Allez, sur ces belles paroles. Au revoir, en train. Oh. Mais oh, ça a changé. Bah oui. C'est le... Ah oui, c'est Bifrost. Des... Ah bah ils ont disparu. Oh boy. Ils J'ai activé le Bifrost. Merde. Il a été avalé. Oui, t'as TP. Alors faites gaffe, oubliez pas, il y aura deux... Oh, il y a déjà... Oh putain, il y a déjà... Ok, on est au 13ème truc. Il y a déjà les méduses, les potes. Eh, mais vous cassez-vous, là. Cassez-vous. Besoin d'aide pour les méduses. Eh, par contre, le train, il a pas été arrêté. Qui c'est qui l'a rallumé? Son. Bah personne, moi j'ai pas mis pas tout le What? Il a pas compté. Ah oh, putain, faut que je descende. Il y en a dessous le rail. T'es dessous, déjà. Moi ce que j'ai pas confiance du tout, c'est ces requins de mort là. Ah oui, il y en a déjà un là. Oh là là. Sur la droite, il est. Il est parti, c'est bon. Et les sangsues, je sais pas c'est quoi, si c'est les genres de raies qui s'appellent les sangsues. Je pense. Celle qui se colle au train. Mais je sais pas si c'est celle-ci. Il y a des sons bizarres dehors quand même. Encore. Un petit peu beaucoup. On tire sur les mêmes jets depuis tout à l'heure. Non, c'est Fufu, hein. Moi je suis en train de looter.
Ah, je sais plus. Avec Fufu, on partage le même cerveau. Mais non. Mais non, il y avait longtemps que je l'ai pas entendu. Oh, ça. Il revient. Et où? Touché, allez, dégage. Alors, c'est pas il revient, oui. C'est l'autre. Parce que je viens déjà de lui tirer dessus, il s'est barré. Donc, s'il y en a un qui s'est pointé, c'est le deuxième. Donc, les deux sont dans le nuage, j'ai l'impression. Bon, on peut avancer, les potes. Hein. On a bien travaillé. Par contre, moi, j'ai pas pris le grappin, donc je vous laisserai looter. Moi, je loot si je peux. Putain, il y a un morceau de bois qu'on a zappé, dommage. Oh merde, ah ouais, j'ai que t'es en dessous. Tiens, regarde, on la voit bien la baleine à droite, Dieu. Bon, enfin, on la voit bien. C'est si dit, hein. Tu... Ah bah, ouais, mais là, il est rentré dans le brouillard maintenant. Tu la voyais bien il y a 5 minutes. Et quand tu dis voyais bien, c'est vraiment en entière, pas que la queue comme là. Requin. Bah, on la voyait tout le corps. Putain. Presque que la tête. Parce que la tête. Ah ouais, requin à gauche, requin à droite, ok, ils sont vraiment de chaque côté. Après ça va, si on les voit bien avant, on est tranquille, je pense. Ah, je suis coincé dans le train. C'est bon. Eh non. Ah bah si, il m'a poussé quand même. Ça va, heureusement que le requin il est pas trop farouche parce qu'une balle il se barre, ça va. Dégage requin. Ah oui, toi Fufu, t'es où? T'es à droite là? Non, moi, ouais, je suis en train de faire la cuisine. Ah non, t'es encore. Ah oui, ok, d'accord. Bah oui. Non, mais pas de soucis, c'est que. Je croyais que t'avais déjà fini. Oh merde, mon arme elle a cassé. Ah. Mine, stop, le train, mine. Vas-y, stop. Eh, heureusement que j'ai l'œil, hein. Oh. Parce que là on aura pu se les prendre. C'est pour ça qu'on a niqué. On aura besoin de toi, Fufu, là, de cover le train le temps qu'on... J'arrive. Parce que les deux requins sont au même endroit, sur le côté droit du train. Je crois qu'on est bon, là. Sûr? Ouais, sûr. Sûr de sûr, en vrai de vrai? En vrai de vrai. J'ai bien cru qu'on allait se les prendre, les mines, là, pour le coup. Derrière. C'est bon, j'ai mis une tête. Oh, j'ai mis 104. Ah, derrière, ouais, d'accord, c'était pas le même. Ouais. Ah, je ravance le train. Vas-y. J'allais le dire, en plus. Oh, j'ai vu mon ombre sans un rocher, j'ai cru que c'était le requin. Il va te manger. Gang, il va te manger. Je l'attends. Même pas à peur. Il est là. Là, je te vois te faxer, Sonib. Ah, je me suis. J'ai du problème de call. Ça a bugué. Puis quand il est arrivé devant moi en plus. Putain, on a loupé du matos. Vu, stop la cuisine, vraiment. Tu sais, quand ça cuit, tu peux te barrer et faire autre chose. Hein. Ouais, du bois là, attends. Parce que là, on loupe vraiment trop de ressources. C'est quoi tout ce bois là? Il y a encore des mines. Je stoppe le train. Vas-y. Vas-y, on stoppe, ouais, tranquille. On les voyait pas, celle-là. Vas-y, je te laisse s'occuper des mines. Je vais aider Fufu à clear si elle est requin. Ouais, mais il y a encore des mines derrière. Hein. Ah, monsieur Duro, il m'a poussé.
Ah mais il y a un petit virage en fait avec d'autres mines derrière. Ah, je vais dire un truc et je parie que c'est ce qui va se passer. Tu te rappelles, Sonib, là, qu'on avait fait une fois le... on avait fait une run et il y avait des rails, un rail adjacent et on s'était fait allumer la tronche par un train d'ennemis. Ah oui, c'est vrai. Bah ça, on l'a eu qu'une fois, mais c'est étonnant qu'on l'ait pas encore eu. Moi, ce qui est étonnant, par contre, le requin, je lui mets des hit markers, mais je sais pas combien je lui mets en dégâts. Ouais, quand il est trop long, on voit pas les dégâts, ouais. On peut avancer. Vas-y, vas-y. Moi, je reste à gauche. L'astico, là. Je reste à gauche, moi. Putain, mais c'est mob, je te jure, me saoule. Ah, je crois que c'était Fufu que tu traitais d'astico. Non, ah. Quand même, j'aurais pas osé. Ah bah, t'aurais pu, c'est un sacré astico. Bah, je veux pas savoir votre vie, hein. Ah non, mais pas. Non, bah, tout de suite, ce genre d'astico, là. Tout de suite. Moi je reste à gauche un peu, enfin un peu complètement en hauteur. Oh putain. Putain, il y avait plein de trucs sous les rails quoi. Si t'as moins de plus rester vers l'arrière, Fufu ça te dérange pas s'il te plaît. Ou sinon je m'y mets moins, mais... Parce que comme on est... genre Sonib il peut se mettre devant à droite, moi je me mets milieu gauche et toi Fufu tu peux te mettre... À l'arrière. À l'arrière quoi, bah oui. Ouais, t'es pas sage du coup. À la place du mort quoi. Bah non. Au contraire. S'il y a des mines, c'est nous qui mourrons au premier, c'est pas toi. C'est pas faux. Parce que là, il y a encore des mines d'ailleurs. Oh! Putain, il est venu me faire un bisou, enfoiré. Salopard. T'as kiffé, ouais? Ah non. French Kiss. Mais j'ai l'impression qu'ils sont buggés parce que lui qui est venu me faire un câlin là, il était full vie. Hein. Non, mais de toute façon, il régène, hein, je crois, au bout d'un moment. Et si je sais pas, hein. Franchement, je sais si pas. S'il s'éloigne, il régène. Franchement, je sais pas du tout, l'eau. Toi, t'as vu des mines où? Moi, j'en vois aucune. Des mines? Des mines? Des mines. Des mines mines? Des oliviers mines? Il arrive en bas. Hein. De quoi il arrive en bas? À l'arrière. T'inquiète, il y a Fufu la tourelle. Ouais, j'ai les deux, j'en ai un à droite et à gauche. Ouais, mais t'as vu, tu lui mets une balle, il se barre en fait, ça va, franchement c'est easy hein, pour le moment. On en aurait trois, je dis pas. Mais là, deux. Et le bloc de glace, je peux pas le prendre, hein. J'ai déjà un bloc de charbon. Bah, va le mettre dans la foreuse tout de suite. Bah, ouais, mais je loupe le loot là. Sent. Attends, bah, moi je vais mettre le bloc de glace. Non mais le loot au pire, vas-y. Hop. Du coup, vu que j'ai mis celui-ci, tu peux plus. Ah, t'inquiète, il reste 2 secondes. Oh, il attaque. Fils d'op, je suis en attente. Voilà, puis quand je perds. J'avais dit. Bah, j'ai entendu un bruit bizarre et... Et en fait, oui. Il a fait un petit coup de croc sur la carcasse, ce broteir. Ah, il y a un charbon là, je vais le prendre à gauche. Alors le requin qui était à gauche, ah bah il est arrivé, il était dans la fumée là. D'ailleurs, grosse fumée aussi, grosse brume devant nous là. Oh! Ah merci, parce que là je pouvais pas. J'ai le gros truc. Ah bah si, normalement je peux. Olé, mais oui, je peux, fallait que je change d'arme, je suis con. Limit life. Il revient. Il repère. Sensu de mort là, ça dégage. Ah, il me semblait que j'ai entendu une sensu. Ouais, sur le côté gauche. Bon, on loue pas mal de ressources, tant pis. Il arrive. Tu l'avais pas vu, Jay? Ah non! Tu dis il arrive, bah ouais, mais où? En fait, il était sous tes pattes. Tu sais, c'est le même genre de personnes qui disent là, ouais, y'a quelqu'un là! J'étais en stress!
Parce que en fait j'ai vu un espèce de requin passer sous les cuisses, mais je dis mais il le voit pas en fait. Non bah il l'a pas vu. On va arriver à un avant-poste. Ça, je vois bien. Oui, on va arriver à un avant-poste. Ah, par contre, les requins vont faire chier quand c'est même. C'est ce que j'allais dire, Fufu, fais gaffe, avant-poste, les requins ils vont pas nous lâcher. Hein. Comment ça? Bah, c'est ça veut dire que là, on va aller à l'avant-poste, on va se fight contre les mecs, mais les requins ils vont venir grignoter le train aussi. Donc là, ce coup-ci, il y en a forcément minimum un qui reste au train. Absolument. D'ailleurs, le requin de droite, s'il régène pas, je pense qu'il se prend deux balles de gun, il est mort. Il est mort. Je te jure, on le retrouve, il est mort. Là, tu loupes des trucs, là. Oui, non, mais... File dans ton coin. Non, mais tu loupes des trucs, ça m'a stressé. Oui, c'est lui qui dit ça, c'est lui qui loupe H24 des trucs, c'est... C'est la poêle qui se fout du chaudron. Occupe-toi de ton coin. Putain... Coin, coin. Terrible, ça, hein. Justement, je voyais m'engueuler encore alors que ça allait pas être de ma faute. Non, ça pas... non, c'est pas un avant-poste, c'est encore le truc de d'arène, les potes. Oh! On va y arriver cette fois. Alors peut-être que là, je pense que les requins vont plus venir nous faire chier, peut-être. Non. Par contre, faut essayer de s'arrêter au bon endroit cette fois. Oui, bah tu l'arrêtes au. Comme il faut au milieu là. Ah bah les requins, ils arrivent là. Sous le train. Je vais passer côté gauche. Ah oui, derrière, ok. Ouais, il passait derrière, ouais. Mais il en manque un quand même. Hein. C'est bizarre la structure de gauche, c'est quoi? C'est un drap, c'est une tête, c'est quoi? C'est pas. C'est bizarre. Ah, un requin en moins à droite. Il est mort. Je remets des balles au cas où pour être sûr qu'il soit bien mort. Non mais là je pense pas qu'ils vont venir nous grignoter. Hein. Attends. Attends, je vais avancer plus. Il est arrivé là-bas. Il est en est. Voilà. Ah, je suis d'avis qu'on le descende avant qu'on fasse ce truc là dans le doute qu'on n'ait pas une mauvaise surprise. On est stylo. Bah, j'en ai mis plein la gueule. Pensez à récupérer vos plaques et les bandages. Hein. Oui, oui, oui. Parce que là on en a besoin et on se met full bouffe avant d'y aller. Ouais. Merci pour la bouffe, Fufu. Pas de rien. Fufu, il se décarcasse. Il est drôle. Je sais. Vous, t'as rigolé au fond de toi. On me l'a peut-être dit, mais c'est dans quel coffre il arrive. Les plaques. Les coffres vides, les coffres où il n'y a pas d'étiquette, si je peux dire dessus. Vas-y, allez récupérer les trucs, moi je surveille. Allez-y. Coffre vide, vous verrez, j'ai fait exprès, il y a un lot de plaques et de bandages chacun. Je peux pas vous tromper. Et les plaques, on les met où? Dans ton cul. Juste dans l'inventaire, ça suffit? Juste dans ton cul, ça suffit. Ah. Bah non, mais c'est comme les bandages. Patate, ça se consomme en fait. Tu consommes, d'accord, ok. D'ailleurs, je vais en équiper... Comme les patates, ça se consomme aussi. Je vais en équiper une tout de suite. Hop. Je pense que vaut mieux avoir les plaques dans l'inventaire de rapide de gauche, là, à côté de la vie. Parce que forcément, c'est ça qu'on va bouffer avant de bouffer notre vie, à mon avis. C'est bon, le deuxième requin mort. Nickel, on est safe. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de faire ça, parce que ça lag. Activer l'aperçu, hop, plus d'aperçu, comme ça, le live, normalement, vous perdrez plus d'FPS, normalement. Enfin, si. C'est chier. Ouais, je regarde pour le jeu s'il n'y a pas moyen d'optimiser, parce que c'est pas ça. Hein. Du coup, ouais, Fufu, c'est bon de... Attends. Avant, je vais vider mes poches.
Je suis archi full, méga full. Oh là là. Il y a de l'eau là que en haut pour Sony. Ouais, mais j'en ai déjà, t'inquiète. Okay. Pas casse. Oh, bah. Ça fait un moment que j'en ai de l'eau et puis. Okay. Bah lui, il aime bien sucer les glaçons. C'est vrai. Et combien de temps pour être level 15? Une heure, je suis à peine level 6 Borodel. En 2 heures de stream, yop, l'OP, je l'ai poncé niveau 11. Bah moi tout à l'heure aussi en 2 heures, ouais, je l'ai fait en niveau 11. Ah, tu m'avais pas dit que t'étais passé 11, si? Si, je t'ai dit, je suis 11. Ah bah désolé. Et Lane, pareil, en aussi peu de temps, il est passé 11 aussi. Donc là, le 15, comme je t'ai dit, le 15, en fait, c'est tous les jours Fosco pour pouvoir, parce que sinon, t'as plus de boost après. C'est bon, Fufu? Let's go? Ouais. Allez, let's go. Attends, je vais aller ailleurs. On se retrouve là-bas. Alors, attendez, les gars. Donc c'est pour ça, Yop. Si jamais tu galères à aller jusqu'au 15, Jack, si tu vas au 11, ça sera un énorme soutien déjà, t'inquiète. C'est sûr que bien évidemment, tu coco, hein. Plus on arrive loin dans les paliers, et surtout dans l'objectif, plus je gagne. Mais bon. Bon, Maître Grota. Maître Groda, pardon. Ah. Bon, vous êtes prêts? Ce coup-ci? Ouais, c'est bon. Sachant que je crois niveau mune. Ouais, c'est pas grand chose, hein. Ouais, non plus, non. M'a checké. Oh, la map, elle est. Oh, bah là, je pense que là où on se trouve, c'est parfait. On reste au middle et on les savate. Sans trop se gêner d'ailleurs. Moi, je garde l'escalier qui est là. Hein. Arrive, ça arrive, ça arrive. En fait, gaffe, il y a des pustules jaunes, elles explosent. Ouais, mon arme marche plus. Non, y est. Par contre, mon chargeur, il n'y a rien dedans. Faut vraiment que j'arrive à le changer, ce chargeur là. C'est fini? Je pense. Non. Là, c'est fini. D'accord. C'est fini. Bah, lui, il était un peu grave en retard quand même. Il prenait l'apéro. On est d'accord que niveau plaque, vous avez pas pris trop cher, non? On est d'accord? Non, ça va. Bah, si, moi j'ai pris cher. Ah merde. Bon, bah, allez. Deuxième niveau. Moi, ça m'a niqué une plaque, ouais, aussi. Ah, ça vous a niqué une plaque? Oui, oui, oui. Ah merde! Ah oui, c'est chiant, ça. Moi, je suis au pistolet. On restait pas au même endroit, restait pas au même endroit, restait pas au même endroit, tous. Ah mais putain, j'ai changé un truc, j'ai plus le pompe, c'est ce que je me disais depuis tout à l'heure. Oh putain, j'ai plus le pompe. T'es mort, Fufu? Non. Ou soigné, non? Non, je suis sur le pont, moi, du tout. Ah, ok. Putain, j'ai plus le pompe, je suis deg. T'as reposé, non? Mais non, c'est que je l'ai modifié ah, de... Oh, il y a des mines. J'ai modifié une partie de l'arme, c'est plus un pompe. Ah ouais, c'est mal foutu leur truc, je trouve, enfin, tu te rends pas compte. Dès que tu changes, ça devient... Ah bah oui, c'est pour ça que je te disais, d'avoir un nom d'arme, ça veut rien dire, ça change rien en fait. Ouais, mais je pense qu'avec le wiki, là, c'était... Il y avait des trucs, bon. J'ai pas eu le temps de parcourir, mais... Préparez-vous les potes, on se fait le boss. Ah, faut focus d'abord les petits. Ouais, ouais, les petits, on les fume en priorité. Et on essaye de pas trop se coller tant qu'à faire. C'est bon, j'ai de la mine. Attends, je vais essayer d'aller sur le pont, moi. Ok, le boss, il a pop au middle. Ah non, le boss, il a pas bougé tant que ça, en fait. Je
froid. Ah si le boss... En fait le boss il bouge mais... Que si on le tire dessus, si on l'emmerde j'ai l'impression. Oh. Il nous fait sauter. Mais c'est le boss. Ah. Mais le boss il me fait sauter. Oui. Comment ça il te fait sauter? Dans les airs. Il oui, a les... oui là. Merci. C'est lui. C'est une... Regarde. Ah ok ok, il fait une attaque sous le sol, oui. D'accord. S'il me fait sauter, ça veut pas dire grand chose en fait. On va tirer sur lui. Hein. Oh, voilà, c'est bon. Je me mets derrière lui, les potes. Oh putain. Il faut que je me soigne. Oh, 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 ah oui, oh, par contre, ils t'envoient en l'air, mais par contre, tu tapes un méga freeze quand ça arrive. Hein. Ah bah, c'est ça. Je suis en freeze total. Là. Oh. Ah, il y a encore des bébêtes qui arrivent. Il va être long à buter, hein. Oh là là. Sur le pont, je crains rien, moi. Ah bah oui, tu crains rien parce que c'est pas une... Il y a pas de sol. Ah, pas con. Si on se met sur la planche de bois, ouais, ça se trouve, on craint rien du tout. Ah bah si. Non mais regarde où t'es, ça se trouve t'es... T'es pas sur du bois-bois, t'es sur... T'as un sol en dessous de toi. Tu vois, regarde là, il vient de le faire, mais... Il est mort ? Je sais pas, il bouge... Non, non, il bouge... Non, il est pas mort, mais il est en malon pour on dirait, quand même. Mais il a pas de vie ? Si, 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 faut t'approcher. Faut péter tout le bouclier, là, qu'il a. Oh, 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 la blague. Ah, mais je vais me le prendre dans la gueule. Bon, il y a une blague encore, il y a... On peut encore gagner une caisse. Ah mais on peut tout perdre aussi. Eh ouais. Il vous reste des plaques? Il vous en reste combien? Deux. Il me reste... trois. Il m'en reste une, pardon. Le problème c'est que les munitions... Mais moi je suis qu'au pistolet, moi. Depuis... Bah pareil. Non bah vas-y, on se casse. Prendre des primes. La prime. Oh, c'est quoi ce coffre? Oh, j'espère que celui-ci il en vaut la peine, hein. On verra bien. Ouais, vaut mieux qu'on se casse, faut pas être trop gourmand, parce que déjà on a réussi à battre le boss, d'ailleurs GG, mais faut qu'on s'équipe mieux le prochain coup. En fait, ce qu'il faut que je craft, c'est les caisses de munitions qu'on peut consommer. J'ai pas pensé à le faire. Et là, le pompe, je suis dégoûté, j'ai changé un truc, je suis tout content. Ah, c'est super, je fais plus de dégâts, bah ouais, mais c'est plus un pompe. Ah, le coffre, il est... Bah attends, je vais laisser pour... Fufu, il avait pas vu l'autre jour. Deux. Le coffre est dans les airs. Ah oui. Il a trop de la gueule, il est trop stylé. Carrément, il est tout doré. Il le change, hey, oui. Fufu, où est-ce que t'es? Fufu, je sais pas. Je crois que j'ai bugué parce que je suis avec le truc pour revenir, je sais pas. C'est à l'infini. Le mec, il a carrément la fin du jeu, tu sais. Bon, bah, tu sais quoi, je prends le coffre, tant pis. Ah, ça y est, putain. Ah, bon. Bah genre le fait de prendre le coffre, ça t'a fait débugger quoi, genre lol. Bah regarde la gueule qu'il a le coffre, non mais il est trop trop classe. Ouais, il est beau. Ça fait zizir. Ok, bon bah moi je range les plaques et puis les soins du coup, pour éviter de les bouffer pour rien. Ah ouais, mais il a une tête de monstre dessus, j'avais pas vu. Ouais, des petits insectes. Bah c'est... Je pense que c'est la tête du boss en fait qu'on a tué. Je me demande si c'est pas ça. Bon bah je ravance hein les potes. Méduse. Oh bon, je freine le train les potes. Et ils sont venus nous féliciter d'avoir vaincu le boss. Mais par contre, je te suis 2 FPS dans les méduses. Alors je sais pas pendant combien de temps on va être tranquille avec les requins, mais pour le moment ça va.
On les a tués donc déjà c'est bien. Ouais mais je sais plus combien de temps ils mettent pour revenir. De toute façon j'ai pas mis de timer donc... Ouais, ils reviennent jusqu'à la prochaine gate hein, normalement. Ouais. Dirais ça toi. Bah ce qu'on avait remarqué déjà. J'ai dormi entre temps moi je t'avoue donc... Ah, t'as fait du dormage toi. En voiture. En voiture. Voilà, et on a fait le... On a buté deux requins, on a fait Non, bah non, par la outpost, on a fait le truc qui est là. Ah bah, il y a un train à droite. Ah bah, go les fumées. Avec trois wagons. Non mais go les fumées, non mais un train... une épave de train. Si tu préfères. Sinon je t'aurais dit, eh tiens, c'est rigolo, maintenant je l'ai dit. Ah, super, super, followbot, ouais, super. Super. Ouais, il y avait une sangsue. Boum. Elle attendait à son rocher pour nous sauter sur le train. Le train... Arrière. Ouais. Bien ce que je pensais. Pense bien. Tiens, bah, tu sais quoi, on va laisser Fufu faire le train. Fufu oui. Ah ouais. Et je suis pour faire une épave de train. Grappin, grappin, voilà. Ouais. Et normalement, on n'a pas besoin d'arrêter le train avec un... Normalement, tu peux arriver à le faire d'une traite. T'as des anneaux dans chaque milieu de compartiment. Puis si jamais c'est vraiment la galère pour toi, on freine le train, tu dis. Hein. C'est une musique épique alors que bah, y a rien en fait. Vraiment, j'ai une musique tout calme. Sérieux? Oui, sérieux. Ah oui, c'est un gros sacré followbot là, hein. Je crois que c'est la première fois que je m'en prends un aussi gros. Hein. Je passe de 2499... Enfin, 2475 de base à 3211. Ah oui. Super, hein. Ouais, je lag. C'est super, de toute façon, ils vont être supprimés après. Ils vont être automatiquement ban, donc... Attends, y'a pas une bruit de bestiole de ton côté, Sonib? C'est bien ce que je pensais. Non! C'est bien ce que je pensais. Et putain, j'entendais. Ah, mais comme j'étais trop loin en avant, j'ai arrêté le train là. Ah oui. Ah oui. Ouais. Arrêtez le train qui dit. C'est un peu trop tard là, c'est plutôt ouais. Reculer ouais, le train bien. En fait. Reculer le train. Attends, merde, c'est comment qu'on le recule, celle-là? Non. Attends, j'avance pour pas que les rails disparaissent. Tu fais comment là-dessus pour le mettre en marche arrière, je sais même plus. Tu l'actives en mode marche arrière et t'appuies sur le OK. Attends, je trouve que ça veut pas. Changer la direction. Mais tu sais que moi, changer la direction, je n'avais même pas d'affiché. Ouais, c'est bizarre. Défaut. Hey, remonte, Fufu! T'es où? Ouais, j'arrive. Je reviens. Ah, t'es encore dans le train, du coup? Ouais, je reviens. J'ai une idée. Je pense qu'au bout d'un moment, le petit pote, il doit le ramener, à mon avis. Bah, j'espère. Hein. Ou alors, t'as vu le frein, le sabot à l'arrière? C'est bon, t'es là? Ok, nickel. Le sabot, si tu remarques, il a pas bougé, il est vraiment resté très très loin derrière, donc je pense que c'est prévu quand même. Mais il est où, Fufu? Il est rentré. Bon, c'est bon. C'est sur le train. T'as trouvé des trucs intéressants? Bah, pas mal de champignons. Charbon, 8. Charbon? Ah, c'est trop bien. 8 champignons, 2 lingots de fer et 3 lingots de fibre. Ça va, le charbon fait plaisir, les champotes bah aussi, même si pour le moment je crois qu'on a bientôt, bah on a 2 stacks, je pense maintenant. Bah on a 38 en tout. Ok, 38 champignons, ah ouais, non mais là... Oui.
Mais trop bien. Giro, je te laisse gérer un peu mon côté, inventaire plein. Bon, Pierre, s'il peut, Fufu, il prend ta relève. Attends, j'ai en train de me builder. Si vous êtes fatigué, les potes, ou vous les pause, vous dites, hein, on fait ça juste après la, en arrivant à la gare, comme d'hab. Ouais. Si par contre, toi, Fufu, t'es dans le mal ou ça va pas, tu t'hésites pas, tu stops. Hein. Non, ça va pas. Non, ça va, c'est pas trop violent le jeu. Bon, c'est pas trop violent, c'est pas trop violent. Ouais, c'est pas si simple que ça quand même. Hein. Est-ce que je t'ai pas demandé, mais est-ce que t'aimes bien l'ambiance? T'aimes bien le jeu quand même? Bah, sinon je serais pas là. Non mais. Oh, les gens comme ça là, j'ai envie de paraître les étrangler. Hein. Non, franchement, sinon oui, j'aime bien. L'ambiance et tout, j'aime bien. On est d'accord? Ça change et la musique complètement. Derrière est pas mal. Ouais, ouais, ça change. Et la musique derrière, elle est pesante, comme on disait hier, elle est. Des fois, elle t'endort, des fois. Ouais. Mais des fois, elle fait même limite, elle augmente l'ambiance un peu pesante du jeu. Je trouve. Aussi, ouais. Elle est à la fois épique et un peu pesante, je dirais, parce que. Quand tu te retrouves. Stop. Parlez pas d'épique. Hein? Pourquoi? Avec Fortnite, c'est bon. Ah. Oh, ta gueule! Le truc, c'est que le jeu, c'est comme je dis, c'est pour moi, là, le vide comme ça, là. Pour moi, c'est comme l'océan. C'est stylé, mais à la fois pareil. Flippant. Parce que, bah, tu sais pas, et en fait, si t'es soit dans l'espace ou dans le ciel à planer comme ça, ou dans l'eau, bah, tu sais que si t'es comme ça à walper, enfin, t'es toi comme ça dedans, bah, enfin, t'as rien, quoi. Si t'as pas le vaisseau ou le véhicule qui va avec, bah, en fait, tu fais du mourage, quoi, en soi. Ouais, c'est l'immensité qui est. Bah, c'est ça. C'est stylé mais flippant. Bah tu vois, c'est autant Subnautica je l'ai poncé et ça m'a toujours fait un mal-être en in-game d'être sous l'océan à pas savoir ce qui va me mettre dans la gueule. J'arrivais. Et autant là ça me dérange moins. Oui mais parce que tu le vois et tu sais que t'es rattaché à quelque chose. C'est ça. T'as la corde qui te rattache. C'est psychologique. Imagine il y avait pas la corde. Et qu'on planait comme ça et qu'on était en mode à nager dans le vide là pour retourner jusqu'au train, bah là je pense qu'on serait plus en PLS. Hein. T'as le petit jeu d'astronaute là, je sais plus comment il s'appelle, où t'es tout le temps accroché à ton pote, vaisseau. À ton vaisseau et à ton pote en même temps. Vu de côté. Oui. Avec des ragdolls chelous là où tu dois bouger un coup le pied, oui bah ça j'aimerais bien le faire celui-là. Et moi aussi. Et lui aussi, il a une petite part d'immensité. Ouais, mais là, je flipperais pas autant que je pourrais flipper ce jeu-là. Non, pas du tout. Ça a rien à voir parce que t'es à plat. Il y a un côté ridicule. Il y a un côté ridicule qui va bien en fait. Et j'ai vu un TikTok d'un mec qui, avec sa pote qui jouait à ce jeu et puis il pose la question de qu'est-ce qu'on fait si on ouvre le sas sans dépressurité. Ils sont ouverts, ils ont perdu tout l'oxygène du bordel, ils ont failli se faire happer. J'ai trop aimé, c'était une question à la con que nous on aurait pu bien pu se poser, tu sais. Bien foutre la merde. Moi j'aurais pu se dire, ça fait quoi si j'appuie sur ce bouton là, et là, on se fait aspirer, on meurt. Ah mais c'était un peu ça. La base. Mais ils ont eu la chance parce qu'ils avaient quoi, un PV de les deux, je crois, quand ils ont fermé le sas. Ah oui. Ah ouais, c'est en... Ah oui, ça rigole zéro en fait. C'est vraiment spécial l'univers quand même du jeu. Je rêverai pas de le dire mais... Moi j'aime bien ce côté où tu traverses les rails, ça disparaît. Ouais. Ce sont des... Et des rails spectrales. Et ouais. Spectrouche. Bah déjà là, en ayant mis les statues là sur la table dessus, et t'as vu l'effet que ça fait, on avait vraiment l'impression qu'on utilisait le Bifrost comme dans Marvel, là, comme Thor. Ouais, c'est ça. Donc t'as des putains d'origine... oh putain, excusez-moi, je me permets. D'origine de rêve, je pense, à tout ce qui est mythologie sur le jeu. Bah, c'est très viking, hein, l'alphabet, de toute façon. Bah ça, quand tu vois les trucs de combat, là t'as des méga lances, des flèches dans tous les coins...
Par contre, ce qui me fait rigoler, c'est les mobs, ils ont rien à voir avec l'univers viking, quoi. Ah oui, oui, complètement. Et justement. Ils me font penser à... Merde, j'ai bouffé le nom du jeu. Oh, pardon. Merde, ça va revenir le nom du jeu. On en parlait l'autre jour. On en parlait l'autre jour, comme d'hab, j'ai dormi entre temps. Non mais c'est vague, c'est comme... l'autre là, mais t'as vu, on en parlait. Non, je... Ouais, le chien du cousin à ma belle-sœur. Un morceau de bois juste derrière le caillou où tu le trouves, sous. Je peux pas le prendre. Ah oh, putain, je le voyais pas. Mais je vois toujours pas de quoi tu parles, mais d'accord, si tu veux. Je peux pas t'aider là pour le coup. C'est des mines qu'il y a au bout, je rêve. Ouais, y'a pas de mine. Y'a un caillou. Ouais, bah je sais pas. Caillou de loot. Par contre, Fufu, il va tellement vite à looter que j'ai l'impression qu'il a un grappin dans chaque main. Mais non. Mais non. Je vois comment tu fais parce que. C'est complicado, mais tu vois, le fait de rester à l'arrière, c'est pas genre en mode t'es puni, c'est juste qu'au moins, tout ce que nous on a loupé, bah tu peux le prendre. Et ça, c'est plutôt super. Ouais, c'est bizarre, elle a pas dit tout ce que Sony va louper. Oui, mais parce que... Je vais arrêter de le dire, parce qu'après on va me dire, oui, tu fais que de lui tirer dans les pattes. Il y a pas que dans les pattes que je le tire, là. Dans tout son corps, je tire dessus, là. Salopio. Oublie pas, t'as un morceau de bois à côté de toi. Moi j'en avais un ailleurs. Le mec il dit oublie pas, t'as un morceau de bois, le mec il est entouré de 4 ressources hyper ultra importantes autour de lui, tu sais, mais il a vu juste le cure-dent. Les agents chimiques, faut vraiment. Enfin, en fait, faut vraiment qu'on reprenne tout. Hein. Là, même si on est blindé. Ouais, putain, je suis full encore. Limite, faut tout prendre. Derrière toi, t'as un morceau de métal, Fufu. Enfin, derrière toi, à ta droite, enfin, côté droit du train. Parce que c'est vrai que derrière toi, si tu tournes tout le temps, ça va être compliqué. Bah, pourtant, je regarde derrière moi, y'a rien. Bah, si, encore derrière toi. Mais non, mais tu fous de ma gueule. Non, non. Oh, lui, est-ce que je peux le choper? Vite. Hop là. J'aurais dû me rééquiper du grappin. Ça va, tu t'en sors, Yop? Ça va, tu t'es pas endormi, t'en as pas déjà marre? Après, si tu le fais sur les deux PC en même temps, c'est pour ça que tu prends du temps, mais si tu le fais que sur un PC, eh, il faudra peut-être accélérer la cadence, mon pio. Ah. Après, tu m'as dit, attends, tu as une heure, je suis à peine level 6. À peine level 6, une heure. Ouais, c'est possible, hein. Ouais, je me rends pas compte, mais oui, je pense que ça passe. Bah, deux heures, le double. Je pense que ça passe, hein. Oh, non, ça me paraît legit. Tant que tu fais les missions qui sont dans le panel de gauche, en soi, ça va accélérer assez rapidement. Ah, putain, je peux pas prendre. Vas-y. Mais j'ai jamais de bois. De bois. Ah, tu veux dire le. C'était quoi ce bruit là que j'ai entendu? Alors. Tu parles du blé? Non, le bois. Si tu. Ah, les planches, pardon, oui. Si tu n'as pas assez de planches, c'est parce que tu n'as pas regardé toutes tes notifs. Ça t'en donne vachement. T'as ça, t'as les arbres à récolter, bien évidemment. T'as les arbres à récolter, et pour ça, il faut débloquer des endroits. Et je te le dis honnêtement, on a vu ça avec Lane. Achète le bois avec de l'or, vraiment. Moi, l'or, je m'en suis jamais servi pour upgrade du temps, de augmenter la vitesse d'upgrade, jamais. Je m'en servais que pour acheter des choses, en fait. Et fais des missions de, des petites missions de Gigard Fantôme là, de Spectre sur la carte. Ça te donne des planches aussi. Ça, l'alliance dedans, il y a plein de trucs aussi. Ouais, avec je crois que je vais acheter avec de l'or. Ah ouais, t'as combien d'or là d'ailleurs? Parce que ça se trouve, tu vas me sortir, j'ai du 4K. 4K or, putain, si c'est le cas, moi. Moi, ton niveau, j'avais déjà plus d'or quasiment.
Ça et le soufre aussi, le soufre tu vas voir, tu vas te dire oh non vas-y j'en achète, c'est bon. Le seul truc que j'ai jamais acheté c'est l'obsidienne, le blé et la pierre. C'est tout. Et les boosts, non. Après t'as, quand si, je sais plus si t'as déjà accès au marché, à l'étal de marchands, ça se dit. En fait tu peux recharger la page de ce qui est en vente. T'as souvent des choses gratos. Et là des fois bah je dépense moi. Alors, généralement je dépense jamais l'or, à part si c'est vraiment des boosts importants. Mais sinon je dépense genre tu sais quand t'as du 1 million de pierres ou d'obsidienne, bah t'achètes des trucs qui sont dedans avec directement. Tu sais pas ton or encore, mais t'as combien là? Que je rigole. On a 900 au début je crois. Bah ouais, peut-être qu'il y a eu plus en faisant peut-être plus de missions, plus de trucs, tu sais. Que je t'avoue, je sais pas trop. Moi j'étais un peu flemmard sur le jeu. Je sais pas, je suis dans une mission en pistolet là. Ah oui, mais juste t'inquiète, fais, t'en fais pas. Mine. Mine de rien, faut s'arrêter. Olivier mine. Ouais, vous ferez moins les rigots drôles. C'est hein, pas les mêmes mines en plus, ah. Celles-ci. Hein. Non, celles-là, c'est celles qui sont attirées par le. Par le train. Qui. Attends, pardon, s'il vous plaît. Excusez-moi, pardon, merci. S'il y a des mines, est-ce que ça veut pas dire qu'on est à la fin? Ou tu sais, qu'on s'approche de quelque chose d'important? Parce que quand tu regardes, à chaque fois qu'on a eu des mines, on n'avait pas eu un truc important? Genre un avant-poste ou un truc comme ça, non? Bah, c'est soit avant, soit après un truc important, généralement. Bah, là, on a eu le gros 2, donc. Et puis deux mines différentes. Les autres, je sais pas ce qu'elles faisaient, les autres. Je pense que c'est juste tu les tapais et pétais. Pourquoi je tire sur le bois? Je suis un connard, moi. Tu remplaces ton grappin par des balles? Ah, il y a encore beaucoup de mines, hein. Et stoppez pas le train, y a pas besoin, je pense. Ah, non, c'est les petites bestioles, c'est pas des sangsues. Ah, je pense qu'on est à la fin là. T'en sors, Fufu, c'est bon? Oui, oui. Je pense que dès qu'on a l'amélioration au coffre-fort, on en met un dans le sac à dos à Fufu. Hein. Mais c'est que en fait, je l'ai le grappin, je suis vraiment un gaulemon. Je l'ai, mais le problème, c'est que j'ai plus de place dans l'inventaire pour l'utiliser. Moi, je suis full, je vous laisse gérer le train et le loot, je fais vite. C'est parti, c'est parti. Attends, mais. Ah non, putain, ouais, c'est 10 de la stack de charbon. Encore des mines. Encore? Ouais, mais on a eu qu'une seconde. Ah non, il y en a encore qui arrive. Tiens, question. Bah, Fufu, lui, il connaît. Wesh, ça va? Wesh, je date. Ah, merci pour une fois quelqu'un qui dit je date et qui me dit pas tu dates. Merci. Merci beaucoup. Salut Pigeon, comment vas-tu? Arrête de vous calmez-vous. Asseyez-vous, il va prendre la conf. Asseyez-vous, arrêtez. Arrêtez. Comment vas-tu? Ça va? Tranquille. Tranquillement, base de tranquillade. Tranquille, bilou. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. J'ai tellement de conneries. Je sais plus. Ce que je vais faire, parce que là, à mon avis, on va récolter pas mal de bois encore. Et je vais mettre du charbon dans les fours, là. Je vais en mettre 4 ici. Et je vais en mettre 4 là. Voilà, 200. Ici, je vais dans le barbecue. Je vais en mettre 4, c'est pas perdu de toute façon. Je vais en mettre 4, j'en remets là aussi. J'en remets 2 autres. Par contre, le zinc, on est fou là encore. Ouais, mais on va falloir le. Ouais, falloir le. Le déglingax. Tu te souviens de mon cousin?
Tu te souviens de mon cousin, tu te souviens de mon cousin, tu te souviens de mon cousin. Le pigeon, cousin, Phoenix. C'est bien toi? Ouais. Et ben sache que tu es le premier à oser, et enfin oser, à dire « je date ». Sache que t'es le premier à me l'avoir sorti en 7 ans de stream. Donc bravo à toi. Merci. Parce que moi j'en peux plus des gens qui se ramènent 3 ans plus tard. Wesh, tu dates. Ouais, enfin moi j'ai pas bougé mon cul de là, ça fait 7 ans que je suis là. Donc théoriquement c'est plus toi qui dates que moi. Après c'est logique, t'es toujours, bah oui, mais oui, mais oui, mais sache que t'es plus logique que certains. Et oui, je me souviens de toi, bah tu sais que... Justement, on reparlait de toi dernièrement avec Phoenix parce que... Parce que lui, Phoenix, il passe quasi tous les jours. Si jamais t'as pas vu sur ma chaîne YouTube de VOD, j'ai mis beaucoup de shorts, donc de clips, montage, où t'es dedans avec, avec lui, où on avait fait des parties sur Rocket League, là. Je lui dis, enfin, ouais, c'est marrant. Et du coup, avant que t'arrives, pigeon, je disais... Fufu, toi, t'auras la ref. Toi, Sonny, t'as la ref dans Fortnite, sauver le monde, les lamas, tu sais, qu'il y a sur la map en métal, que tu tapes. Oui. Oui. Ils font des bruits. Enfin, ils oui, parlent, oui. Genre, ils font... Salut encore. Tu vois, des trucs comme ça. Oui. Et ben, à un moment, moi, je... Ben, je crois que j'étais avec Fufu, d'ailleurs, ou peut-être j'étais tout seul, je sais plus. J'éclate un lama, et d'un moment, je fais... Vraiment? Et deux secondes même pas après, il fait « Vraiment ?» J'ai fait un clip, il a fait 10 000 vues, s'il te plaît. Juste, juste pour ça. Ouais, bah tu m'étonnes. Juste pour ça, 10 000 vues. J'ai fait « Bon, bah cool. » Oh là, c'est... Attends, j'ai envie d'y aller voir celui-là. Vas-y, vas-y. What ? Ah, je suis dans le train, moi je suis occupé, j'entends faire un truc. Du coup, je te laisse. Du coup, t'as le temps, tu vas y arriver. Bah, de toute façon, à part s'il y a d'autres caisses qui volent, mais. Non, mais il y a du bois au-dessus là. Ramasse le bois, allez, hop, 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 hop. Du bois au-dessus? Ah oui, je l'ai pas vu. Heureusement que je suis là. Hein. Bah, la prochaine fois, dis-moi plus derrière, s'il te plaît. Hein. Plus derrière. Oh attends, il se passe quoi? Ah bah, tu vois, il me ramène le petit pote. Mais quoi? Ah, je devais être trop haut, je pense. Ah, parce que tu veux dire qu'il y a une limite de hauteur avec... Oh, d'accord, ok. Bon, bon, on a la réponse, hein. Ça se trouve, Fufu... à certains moments, t'aurais pu te faire rapatrier par le... Ok. Le petit pote. Ou peut-être pas, je sais pas. Je n'ai pas perdu dans l'espace. Bah, pas que je sache, en fait. Quoi neuf, du coup, Phoenix... Phoenix, pardon, désolé. Pigeon. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Tu joues toujours à RL? À RL? Tire pas sur le caillou, Sonim, je vais tester avant, c'est avec le grappin, on peut le péter bien comme il faut. On peut le péter, mais alors c'est super long. Vas-y, je te laisse. Ah ouais, c'est pour là? Ah ouais. Ah, ils ont abusé quoi. Ah mais carrément. Bon, j'ai peut-être un peu abusé moi aussi, je suis trop loin. Genre tu le descends 10 PV par 10 PV. Tu disais je l'ai one shot. Bah moi ça descendait 10 PV par 10 PV. Bah ouais mais t'as pris le grappin nerf aussi, idiot bête. Oh, c'est un mot ça. Le grappin nerf, comment ça? Laisse tomber. Si quelqu'un a compris, je vous laisse lui expliquer. Bah non, j'ai pas pris le grappin nerf, comment ça, y a pas des balles en mousse hein. Bah si, c'est des ergots en mousse, tu sais les trucs de fête foraine là. Ou quand tu serres la pluche, ça se trouve tout seul. Ah oui, la pince à passe, ouais, qui sert jamais là. Ouais. Ah ouais. Ah, on arrive à la gate. Ouais. Je parie que Fufu, il fait la bouffée. Ah non. Non. J'ai dit, j'étais occupé, j'entends faire un truc. IRL? Oui. Ah voilà, ah oui d'accord, non parce que... Juste précise, je fais une pause, enfin je suis AFK. Même si t'es là parce que moi je suis occupé à faire un truc, je croyais que t'étais en train de faire à bouffer dans le jeu non, là. Pas du tout, non. Je suis occupé là, tu sais, on revient, bah les coffres ils sont toujours pleins, tu fous quoi?
Non mais attends, t'es en train de dire qu'il était pas dans le train en train de bosser? Ah non, il se touchait la graine devant les Teletubbies, c'était assez bizarre d'ailleurs. Je suis allé voir les shorts que tu as fait et la vie, j'ai une voix de Gaulmont. T'as pas une voix de Gaulmont, oh, dis pas ça. Alors ça fait ça à tout le monde quand on s'écoute. Mais surtout que c'est un petit monsieur, s'il est tout jeune. C'est pas grave, hein. Ça se trouve, dans 3-4 ans, tu vas avoir une grosse voix comme ça. Du coup, bah, les madames voudront plus te voir parce qu'elles auront peur, tu vois. Donc. Mais non, t'as pas une voix de Gaulmont, dis pas ça. C'est sûr, ça fait toujours bizarre d'entendre sa voix. Beaucoup n'aiment pas leur propre voix. Hein. Ah, c'est dur, faut s'habituer. Un peu comme ma bite. Alors, pour le habituer ou pour le dur? Tu choisis. On va prendre les deux, hein. On va pas d'excès. Tu vois, mais vraiment, le truc qui me fait vraiment bizarre, c'est les grosses chaînes à côté. C'est vraiment. Je le dis à chaque fois, à chaque session. Les gens qui sont sur le live ou qui vont voir la VOD YouTube vont se dire « Timo, on a déjà compris, t'arrêtes pas de me dire à chaque vidéo, t'es chiant. » Bah désolé, mais moi j'aime bien. Voilà. Ah c'est bon, Fufu, il a fini son AFK IRL. Oui. On va manger un dessert. Oui. Ouais. Ah, il a pas dit mais non. Donc ça c'était vrai. T'as mangé quoi? Un petit yaourt. Un yaourt? Ouais. À quoi? Un yaourt nature, avec un peu de sucre. Un yaourt au sucre sucré? Ouais. Mais par contre, vivant qu'on arrive à la gare ou autre, parce que j'ai un bug depuis tout à l'heure. Ah. Mais j'ai toujours le retour du truc. C'est l'espèce de... Quand ah tu oui. Téléportes. Le retour du truc. Je l'ai en plein milieu. De quoi le gros portail bleu? Bah, t'as le Teletubby là, qui ouais. Te prend et qui te ramène. Non, même pas. Non, c'est quand j'étais. Quand on sortait du truc avec la plante là. Ah oui, t'as bugué de là encore. Ah ouais. Voilà. Ah oui, tu pouvais déco-reco, c'était pas gênant. Hein. Ah ouais, je peux faire là maintenant et je peux. Ah, je pense, oui, tu peux largement, oui. Bon, attends, je remonte dans le train. Parce que si t'as pu rejoindre la partie sans que je t'invite, c'est signe que tu peux déco-reco sans problème, ouais. Bon, attends, je redéco parce que. En espérant juste que normalement ce que t'as sur toi, tu le perds pas. Enfin, non, c'est même sûr. Non, non, sinon, tu le perds pas. C'est même pire que ça. Ça veut dire que si tu continues la partie solo, tu continues où on s'est arrêté avec Giro en fait. Ah ouais. Oui. Et avec le loot que t'as dans les poches. Alors, le pigeon, non. On va pas parler des choses qui fâchent. Epic Games sont pas solides du tout et... Je suis dégoûté, quoi, parce que du coup, bah, j'ai loupé la session de 20h, la session de 23h. Donc il reste plus que celle de 5h du mat, mais à mon avis, il va falloir qu'ils fassent quelque chose de... d'important. Les bourguignols. Il va falloir qu'il fasse quelque chose d'important et de cohérent et de correct pour que tout le monde puisse y participer parce que tout le monde se plaint à tel point que dis-toi que le passage de 23h, enfin le canot de 23h, je me suis fait dégager du launcher Epic et impossible de se connecter. Et 2-3 personnes dans le chat ont testé, ils ont le même problème.